Yo les gens, c'est Peur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre grand retour, étant donné que ça y est, la machine pour la tente de raid est lancée. Et donc, pour commencer ce grand retour, eh bien, on vous fait un top 10 des meilleurs moments d'Assassin's Creed. Et quand je dis top 10, ce ne sont pas les 10 meilleurs moments, mais 10 des meilleurs moments d'Assassin's Creed. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres. C'est parti. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il y a 22 ans, je me trouvais à cet endroit. J'ai vu ceux que j'aimais mourir, trahis par ceux qui étaient mes amis. La soif de vengeance me rongeait. Elle m'aurait consumé. Sans la sagesse et le soutien d'une poignée d'étrangers qui m'ont appris à contenir ma rancœur. Ils ne m'ont pas apporté de réponse, mais ils m'ont aidé à les trouver moi-même. Personne ne doit nous dicter notre comportement. Ni Savonarola, ni les Medici. Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre arbitre, peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Aucun livre, aucun professeur n'apporte de réponse. Il y a plusieurs chemins. À vous de trouver le vôtre. Ne me suivez pas. Ne suivez personne. Nous devons oublier nos vies pour le bien commun. Toute cette souffrance avait un sens. J'ai eu tort, nous n'aurions pas dû tuer en public. Nous devons œuvrer dans l'ombre. L'Égypte est à terre. La Grèce aussi. Rome tombera à son tour. Tous tomberont devant le credo, mais personne ne le saura. Quand nous assassinerons, nous ne frapperons que ceux qui le méritent. Les quelques esprits malades qui veulent nous contrôler. Mais ils ne sauront jamais qui nous sommes. Froids, calculateurs, des poètes de la mort. Je suis d'accord, Aya. Je ne suis plus un père. Je ne suis plus un mari. Ni même un Medjay, je suis celui qu'on ne voit pas. Oui. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Nous aiguisons nos lames pour attiser l'espoir de ce monde en ruine. Bayek, Bayek de Siwa. En quoi crois-tu? Au nouveau credo. Le nôtre n'est plus. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't. So fell to me the parting glass. Good night and joy be with you all.
Ça suffit! Rends-nous le manuscrit, Shay! Je suis sûr qu'à... Je refuse! Cela ne doit jamais se reproduire! Toutes ces âmes perdues! Une de plus n'y changera rien. Shay! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger! Ton ADN communie avec la pomme. Tu viens de l'activer. Laissez-moi! Au 72e jour avant l'instant suprême de l'éveil, toi, issu de nos entrailles et de celles de nos ennemis, la fin et le commencement, nous te méprisons et t'honorons. L'ultime voyage a commencé. Il en est une qui doit franchir le seuil avec toi, mais elle échappe à notre vue. La croix obscurcit l'horizon. Qu'est-ce que vous faites ? Il est temps d'ouvrir le chemin. Tu ne peux échapper à ta destinée. La balance doit s'équilibrer. Non ! Arrêtez ! Tu ne sais presque rien. Nous devons te guider. Cesse de lutter. Non! C'est fini. Le chemin s'ouvre juste devant toi. C'est à toi de la trouver maintenant. Recours au sixième sens. Va, seul. Un autre artefact. Non. Tu resteras ici. J'en ai assez vu pour toute une vie. Desmond. C'est à moi qu'il parle ? J'ai déjà entendu ton nom, Desmond. Il y a bien longtemps. Depuis, il hante mon esprit. Comme le souvenir d'un vieux rêve. Je ne sais pas où tu es, ni comment tu peux m'entendre. Mais je sais que tu m'écoutes. J'ai vécu ma vie comme j'ai pu. Sans en connaître le but. Cheminant comme un papillon de nuit attiré par la lumière de la lune. C'est ici, enfin, que je découvre l'étrange vérité. Je ne suis qu'un messager, et le message que je porte dépasse l'entendement. Qui sommes-nous pour avoir ainsi la chance de partager nos histoires, de nous parler par-delà les siècles? Peut-être sauras-tu répondre à toutes mes questions. Peut-être es-tu celui qui pourra enfin donner un sens à tous ces sacrifices. Maintenant, écoute. Rends-toi, et je te laisserai la vie. De belles paroles, pour quelqu'un qui va mourir. Tu ne te portes pas même bien. Lorsque les tiens semblent triompher, nous nous relevons. Sais-tu pourquoi ? C'est parce que notre ordre puise sa force dans la réalité. Nous n'avons pas besoin de credo, ni d'être endoctrinés par des vieux fous. Il nous suffit de voir le monde tel qu'il est. Voilà pourquoi les Templiers survivront à jamais.
Je sais que tu es là, Ezio. Le pape m'a longuement parlé de toi, de ton petit groupe d'assassins, et de ceci. Apporte-moi l'arme que son ami a conçue. Cette tuerie n'a que trop duré. Je crois qu'il est grand temps d'y mettre un terme. Alors considère ceci comme une aimable invitation de ma famille. À la tienne! Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, faites-le-nous savoir dans les commentaires et surtout, donnez-nous d'autres meilleurs moments de Assassin's Creed pour vous faire un autre top. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis, c'était First, en direct de vos écrans, paix et sérénité.